Allô, bonjour, miss. Bonjour, c'est qui? C'est Tête. Quoi, t'as pris mon numéro ou bien? Mon répertoire a été refait, Tête. Qu'est-ce que tu me veux? Bon, en fait, c'était juste savoir de tes nouvelles. Comment tu vas et tout le reste, quoi? Je vais pas, moi, je vais très bien, merci. Ok. Y a possibilité de pouvoir se voir quand même? Ou bien? Mais toi, je suis un gros rêveur. Hein. Je n'ai pas recruté, moi, c'était game over. Pardon de grâce, c'est bien malade. Et Rose m'est raccroché. Ok, on verra bien. Tu es mon repère. Tu sais, au moins, il n'y a que Nain, il n'y a que Nain. Tu es mon repère. Oh non, 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 non. C'est compliqué. Bébé, me fais pas confiance. Il est douteux, il est fier de sa gola. T'as mené au rendez-vous, faut pas de. Tu kiffes le roi, beaucoup me l'indé. Je veux pas quitter la vie, je veux dans tes bras. A des chéris, oui, on se fait ça comme ça. Mais nous, l'ingue, bébé, n'a pas. Oh, là, là, tu m'as dit le roi, bien. Tu m'as dit le roi, bien. Coucou mes rouloulous, c'était Slia. Restez câblés sur la chaîne La Main Noire. Nous interrompons nos programmes pour ce flash spécial d'information. Depuis 2 semaines, la disparition de la jeune Cassandra a ému la population du quartier La Baie des Cochons. Grâce aux efforts des autorités locales, elle a été retrouvée selon des sources de la police judiciaire. Ah bon, c'est qui? Nous entrons en contact avec notre reporter, Cassandra, M. Jamal Nanga, pour recueillir les sentiments du lieutenant à l'annonce de cette nouvelle. Attends. Adam Moukala, nous sommes bel et bien à la Baie des Cochons, lieu où la jeune fille Cassandra, victime d'un kidnapping, vient d'être trouvée par les agents de la police judiciaire. Et nous aurons ici les agents de force de l'ordre qui ont mené à bien cette opération afin de recueillir leurs différentes réactions. C'est un sentiment de soulagement dans la mesure où il n'est pas évident de retrouver vivantes les personnes qui ont été enlevées. Alors dans le cas de Cassandra, vraiment on peut pousser un ouf de soulagement dans la mesure où les parents étaient inconsolables et qu'ils passaient le temps à nous appeler. Je pense que c'est un grand soulagement. Je sais que ceux qui ont été à l'origine de cet enlèvement sont encore là. Et 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mes agents seront là et vont patrouiller. On va mettre la main sur eux. Oui, on a fatigué des bandits ici. Tous les jours, matin, midi, soir, il y a trop de bandits ici. On n'arrive pas à dormir. Tout ça se passe ici. Nous, on demande les autorités de veiller sur ça parce qu'on n'arrive pas à dormir. Tous les jours, il y a des problèmes ici pour qu'ils prennent les dispositions pour arrêter le phénomène. Oui, vous l'avez entendu de vous-même, le message lancé par le lieutenant, l'autorité. Des mesures drastiques seront désormais prises afin de traquer les commanditaires. Ici, Jamal Mounanga pour LMN TV. Adam Moukala, à vos antennes. Merci M. Mounanga pour ces informations. Nous vous remercions d'avoir suivi notre bulletin spécial et restez câblés pour la suite de nos programmes. Alors, c'est qui Cassandra? Cassandra, c'est la fille qui m'a agressée. La fille qui t'a agressée comment? Tu te rappelles de Ted, mon ex? Oui, je me souviens. Il a fait quoi? Il sortait avec sa petite sœur. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais un jour, elles sont venues à la maison et elles m'ont agressée. Comme ça? Je devais dire quoi? Tu devais nous dire, comme là tu m'expliques, tu devais nous expliquer que voilà, il y a une Cassandra qui m'a fait ceci ou cela. Je devais aussi vous dire ça comment? Je ne savais pas quoi faire en fait. J'ai voulu gérer ça toute seule. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Comment on peut te faire ça et tu ne nous dis rien? On devait aller parler avec elle. Parler? Oui, on devait parler avec elle. Non, on se connaît. Arrête, moi je ne suis pas d'accord. On ne peut pas t'agresser, tu ne nous dis rien. Tu imagines si elle te tuait ou je ne sais pas quoi? Je n'ai pas arrivé. Non, même si. Tu devais nous dire. C'est pas grave, de toute façon elle est enlevée. Je pense qu'elle a eu ce qu'elle mérite. Même si elle est enlevée, non, là tu m'énerves. Tu m'énerves. Oh.
s'est passé? Comment? Explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel épisode tu as raté dans l'affaire? Le problème, c'est que je l'ai bien attaché. Je ne sais pas comment il a fait. Oh. Tu devais finir avec ça, Philippe. Je me suis endormi, Lion. Oh, merde. C'est ce qu'on doit faire. On doit s'éclipser, man. Je t'avais dit de faire le taf une fois, pap. Le petit, là. Tout ça, ça me dépasse. Je veux plus retourner en tôle. Hein? Tu as entendu ce qu'ils ont dit à la télé? On sera traqué, man. Hein? On doit se cacher. On est déjà traqué. Philly, on est déjà traqué. On est traqué là. On doit s'éclipser, on va s'éclipser, on va partir partout. On va fouiller, on est des fugitifs maintenant. Man, on n'aura plus d'endroit fixe. Moi, je parle pas pour toi, je parle pour moi. Putain. Alors Serena, quoi de beau? Bah écoute, je vais bien, merci. Bah et toi, à quel niveau de tes affaires? C'est compliqué pour moi en ce moment, mais bon après, tu sais, ça va au ralenti, mais je tiens le coup. Bah ça, je sais que tu es une vraie battante et c'est quand même toi. Oui, mais après, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les gens qui veulent toujours bloquer les projets des autres, trop d'hypocrisie, trop de méchanceté, trop de faux. Bah calme-toi, je sais même pas pourquoi tu te mets dans tous ces états et tu te caches quoi? En fait, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une main noire qui se cache derrière. Tu vois, qu'il y a quelqu'un qui veut m'empêcher d'avancer. Trop de faux et beaucoup d'hypocrisie aussi, tu sais, donc ça me monte un peu. Bah écoute, j'espère que ça va s'arranger pour toi et sinon mon beau-frère. Quel beau-frère? Il n'y a pas de beau-frère. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. Et toi alors, les affaires? Bah écoute, ça va ma belle, c'est un peu compliqué ces temps-ci, mais je gère, t'inquiète. Il est où le serveur? Ah, il est là. Ah, il est là. Et Anna va bien? Bah écoute, tout le monde va bien. Bah elle fait sa vie, hein, comme d'habitude. Je la connais. Oui. Bah écoute, on traque. Aux affaires. Aux affaires. J'arrive.
enfants se tamponnent. Qu'est-ce que tu veux? C'est vrai que les collines et les montagnes ne se rencontrent jamais. Aïe! Aujourd'hui, j'aurai ta peau. Une mission pour toi. Tu me prends pour qui? Je suis pas une pute. Tu dois me ramener le gars qui a tiré sur moi. Aïe! Je suis capable de te faire disparaître. Si tu n'exécutes pas, je te fais disparaître de la surface de la terre. Lâche-moi, je suis pas une pute. Lâche-moi. Tu dois coopérer. Et libère-moi. Ah! Thank you.